Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de montage de l'Iron Man avec le numéro 33 où on va commencer à monter la hanche gauche. Donc dans le fascicule on retrouve dans l'histoire d'Iron Man un numéro où enfin pas un numéro, c'est une mini-série où en fait Iron Man a un comportement étrange, il s'énerve vite, il vend des armures à d'autres PDG de boîtes pour qu'ils se protègent. Alors que c'est ce qu'il a toujours juré de ne pas faire. Donc voilà. Donc c'est un résumé de cette mini-série qui s'appelle Bad Blood. Dans le montage, du coup, on a le montage de la hanche, qui va pas aller très loin, hein. Clairement. On aura la suite plus tard. Dans les comics, on a un nouvel article sur Whiplash. Et du coup, les différentes personnes qui ont eu les. Qui ont porté ce nom et qui ont eu les fouets. Personnellement, dans toute la liste là, le seul que j'ai déjà vu dans les comics, c'est celui-ci. Dans une mini-série qui s'appelle Iron Man versus Whiplash, qui était sortie à peu près en même temps que le film, Iron Man 2, c'est pour ça. Et dans les armures, on a une armure hyper-gravité, donc qui est utilisée quand Tony Stark part dans l'espace pour une mission où il doit aller très vite détruire une météorite qui va s'écraser sur Terre et du coup une comète qui va s'écraser sur Terre et du coup il fait une armure et il part dans l'espace rapidement. Voilà. Et du coup on passe au montage. On se retrouve pour la construction. Du coup on va passer à l'ouverture. Du coup, dans ce numéro, on se retrouve avec des vis IP et LP. On a le cache de l'articulation de la hanche. Les deux, je ne sais pas s'il y a une différence, oui, quand même. Donc le 1, le 2, ils n'ont pas de nom spécifique. On a un taquet d'assemblage. On a une bague de roulement, une coupelle, un bouchon. Et du coup, voilà, on va commencer. Il n'y a pas beaucoup de montage. On prend la A, donc celle avec les traits, celle-ci. Et on vient mettre ça dessus. Et on visse avec une vis LP. Il n'y a que deux vis de chaque, donc on a besoin que d'une vis de chaque. Autant dire qu'on sait que le montage va pas être incroyable. Hein. Tac. On prend ça. C'est bien, c'est que là, il y a le petit tambour pour pouvoir caler la pièce. Voilà, ça tient. Ensuite, on prend l'autre partie de la hanche qui. J'ai pas précisé, mais tout est en plastique hein, dans ce numéro. On vient mettre ça. Comme ça. Voilà. C'était l'étape 1. L'étape 2. Bon, on peut laisser ça là. Hein. On vient prendre ça et on y met l'autre pièce dedans.
à l'intérieur. Et on visse avec une vis IP. Voilà. Et c'est tout pour ce montage. Hein. Donc on se retrouve avec ça. Donc on verra ce qui manque. Ça, j'imagine que ça ira là. Dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas trop. Comme ça. Et ça viendra se refermer là. Et on aura notre petite planche gauche. Voilà. Donc quelques pièces à garder de côté sans rien en faire. Je vais peut-être les garder dans le plastique d'ailleurs, ce sera plus simple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner soit à la chaîne, soit à la playlist pour avoir les nouvelles vidéos quand elles sortent. C'était Bart et je vous dis à bientôt.